Il va avoir un nouveau visage en 2026. Le quartier de l'hôpital va devenir un éco-quartier à Saint-Germain-en-Laye. 5000 m² de commerce, 450 logements, une crèche, une résidence senior ou encore une maison médicale. Un projet de réaménagement qui prévoit quelques destructions. Ce n'est pas une opération de construction, c'est plutôt un projet autour du bien-être, du cadre de vie des habitants de Saint-Germain. Et puis c'est aussi conserver le patrimoine hospitalier du 19e, le rénover. Ça a été vraiment pensé comme un nouveau quartier, mais ouvert sur le reste du centre ancien. Le lien social sera privilégié avec un espace de rencontre entre habitants, avec la conciergerie. Autre secteur privilégié, le loisir, avec un cinéma UGC, un hôtel de 80 chambres et un restaurant panoramique installé en haut d'un des deux châteaux d'eau. C'est tout à fait exceptionnel et je pense que ça permet aussi d'attirer pas mal de personnes extérieures à Saint-Germain. C'est aussi de trouver le moyen pour qu'un des deux dômes des châteaux d'eau puisse être accessible de manière totalement gratuite au public et qu'il puisse profiter du panorama. Le patrimoine historique sera préservé notamment avec cette église. Ce nouvel écoquartier sera piéton et cyclable. Aujourd'hui, le projet rentre dans une nouvelle phase. Dans quelques semaines, le permis d'aménager et les permis de construire vont être instruits par la ville. Il va y avoir une maison de projet qui devrait ouvrir dans les semaines qui viennent en centre-ville. Les premières démolitions vont débuter à l'été 2021. L'ensemble du projet sera réalisé par tranches jusqu'en 2026, date prévue pour la livraison.